Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Le Petit Futé, ce matin, bah, on part direction Dublin. Oui, direction l'Irlande. Ah, hein, c'est vraiment très sympathique. En plus, Dublin, c'est vraiment. Bah, c'est pas une très grande capitale. C'est une capitale à taille humaine. Il fait vraiment bon y vivre. Il y a un héritage culturel de grande importance. Hein. Elle a su d'ailleurs valoriser la ville, ses atouts. Bon, ça fait partie un peu des capitales européennes à la mode. Bon, et pour ne rien gâcher, les Irlandais sont vraiment très accueillants, et pas seulement le week-end de la Saint-Patrick, non, toute l'année. Vraiment, c'est festif, c'est sympa, et Dublin fait partie des belles capitales où faire la fête. D'accord, alors on commence par où la visite à Dublin? Voilà, on va commencer à être sérieux, on fait les visites toujours sagement. On va commencer par Trinity College, donc ça c'est vraiment très joli, d'ailleurs c'est un des points les plus emblématiques. Alors c'est l'université qui a vu grandir de grands noms irlandais, Oscar Wilde notamment. D'ailleurs, on va visiter la bibliothèque de Trinity College. C'est vraiment très beau. Il y a le livre de Kells. Ça, c'est un manuscrit qui date de l'an 800. Donc, il est dans un bâtiment à part. C'est vraiment très, très beau. Et ensuite, on a en visite le quartier géorgien. C'est là où se trouvent de grands musées. Il y a la National Gallery, le Musée National d'Histoire et d'Archéologie. Et il y a un autre incontournable en visite. Alors, tout ça est très élégant, avec de beaux petits jardins devant, c'est vraiment très très bien. Et on a à voir également la cathédrale Saint-Pratique et le château de Dublin. Là, ils sont dans le quartier, un autre quartier qui est le quartier médiéval, c'est vraiment très joli. Voilà, ça c'est pour commencer, pour dire que voilà, on fait un peu historique, on fait l'intellectuel, et maintenant direction les pubs. Alors les visites sont faites, et c'est que pour cela, on va aller dans le quartier de Temple Bar, avec des pubs absolument mythiques. Ce qui est de très sympa, c'est que tous les soirs, il y a des groupes de musique traditionnelle de rock. Donc, il y a vraiment de la musique live et c'est vraiment très bien. On peut considérer que c'est une véritable institution, hein, presque la deuxième maison pour les locaux. Je ne veux pas caricaturer, mais tout de même, ils y sont beaucoup. Alors, il y a une autre institution, c'est la Guinness, hein, la fameuse bière noire que vous adorez, d'ailleurs, à Dublin, qui coule à flot dans les pubs de la ville. Et c'est que si vous n'aimez pas la Guinness, vous allez un peu rater votre séjour. Moi, ça c'est dit. Alors, quelles sont les autres activités à ne pas manquer selon vous? Alors, comme vous aimez bien la Guinness, vous allez aller au Guinness Storehouse. Ah oui, c'est vraiment. En fait, c'est vrai. Non, c'est qu'il y a toute une activité, une culture de la bière qui est très importante. Et on va pouvoir visiter le premier entrepôt de la marque. Alors, c'est vraiment super intéressant, hein, parce qu'on voit toutes les étapes de fabrication. Il y a aussi une distillerie Jameson, le Irish Whiskey Museum. Là, c'est plutôt sur le pur malt irlandais. Mais bon, on va pas faire que des choses alcoolisantes, sachant que la visite on déguste un peu à la fin, mais surtout on est sur les grands espaces où il y a la production, et c'est quand même assez intéressant de découvrir comment est faite la bière. Il y a aussi plein de parcs, d'espaces verts dans la ville, pour la sieste. Moi j'ai eu la chance, je suis allé, il faisait beau, donc on a pu profiter un peu des pelises, on peut aller pique-niquer. Il faut dire que dès qu'il fait beau, tout le monde est dehors, parce que c'est pas souvent non plus, c'est quand même. Ou alors vous pourrez faire la sieste après votre longue nuit de fête dans tous les pubs irlandais. Et sinon, dès la sortie de la ville aussi, il y a plein de choses à voir. Il y a des collines, des lacs, des rivières, des forêts à perte de vue. Bon, c'est très vert, hein, dès qu'on sort de Dublin. Ouais, mais justement, on sort de Dublin. À quoi ressemblent les environs alors Dublin, c'est vraiment niché dans une baie. Dans les deux extrémités sont off au nord, qui est vraiment superbe. Il y a un petit port de pêche très typique. Il y a Killiney qui est au sud. Et là, c'est plutôt un centre important de yachts, pour les yachts. Et on va partir dans la matinée. On va s'arrêter dans un premier village pour un café. Hein. Bon, pourquoi pas. Allez, on continue la route. On peut dégommer quelques huîtres avec une Guinness. C'est vraiment, vous faites une bourriche complète avec un peu de Guinness et vous pouvez faire une balade digestive. Il y a des falaises près de Howth. Et puis, vous pourrez après rebasculer de l'autre côté. Hein. On va zigzaguer comme ça, manger des scones. Hein. C'est aussi une spécialité locale. L'été, il y a des traversées en bateau qui sont organisées. C'est vraiment très sympa. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un yacht. Ils ne sont pas inaccessibles. Hein. Vous faites la traversée en ferry et vous en profitez tout autant. Bon, la bonne période, parce que là, on arrive sur la fin août. Fin août, c'est encore possible. Et début septembre, ça va être assez festif. Hein. C'est vrai que l'été, c'est la période idéale. Sinon, il faudra attendre le printemps. Bon, il y a aussi la période de la Saint-Patrick. C'est festé de façon complètement délirante et vraiment sympa.
en tout cas, c'est vrai que c'est une destination très populaire et c'est une bonne idée de week-end à faire. Et bien voilà, les bons plans du Pied Futé avec Stéphane Zeremeta. Merci beaucoup et on se retrouve le week-end prochain. Avec grand plaisir.